Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « Les vertus de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui avez cru, prie sur lui et adressez-lui vos bonnes salutations. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed et son serviteur et messager, ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude de jusqu'au dernier jour ensuite. Priez sur notre prophète bien-aimé est la preuve de l'amour, la voie de rapprochement, le signe de la foi sincère et une réponse à l'ordre d'Allah, gloire à lui, dans son noble livre où il dit « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète où vous croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Notre prophète, salut bénédiction sur lui, dit « L'un de vous n'est un vrai croyant que lorsque je lui serai plus aimé que son père, son fils et tous les humains. » La prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs avantages et des grandes vertus. Elle soutient preuve sur la noblesse de l'âme et la générosité des sentiments. Le généreux est celui dans l'amour est traduit par le membre, d'où sa langue prononce l'imploration à Allah d'accorder son salut et ses bénédictions à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'avare est privé de toutes ses qualités. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « L'avare est celui qui, lorsque mon nom est cité devant lui, il ne prie pas sur moi. » Dans une autre version, le plus avare est celui qui, lorsqu'un nom est cité devant lui, il ne prie point sur moi. La prière sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encourt la bénédiction de la science et le motif que ceux qui assistent reçoivent la miséricorde d'Allah le dernier jour. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui dit, si un groupe se réunit dans une science, soit dans une mosquée, soit ailleurs, sans évoquer le nom d'Allah, ni prier sur son prophète, sur leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur science sera un regret les derniers jours. Si Allah le veut, il leur pardonnera. Si il le veut, il les punira. Parmi les vertus de cette prière est l'obtention de la miséricorde d'Allah et son immense grâce via la multiplication de cette prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui dit, quiconque prie sur moi une seule fois, Allah lui en rétribuera en 10. D'après Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, j'y vais au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était prosterné en salat. Il allongea la prosternation et dit, Gabriel m'est venu et me dit, quiconque prie sur toi, je prierai sur lui, et quiconque te salue, je le saluerai. Là, je me suis prosterné à Allah à titre de gratitude et de reconnaissance. Quelle immense grâce et quel grand honneur. On en cite également l'obtention de l'intercession du prophète, salut et bénédiction sur lui, dans l'au-delà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsque vous écoutez le muezzin, répétez ce qu'il dit, puis priez sur moi. C'est lui qui prie sur moi une fois, Allah lui en retribuera 10. Ensuite, implorez Allah, pour moi, le médium, al-wasila, qui est un grade dans le paradis, que n'est fié qu'un seul serviteur d'Allah, et je souhaite l'être. Quiconque implore Allah pour moi, le médium, méritera mon intercession. Il dit également, le plus méritoire de moi, le dernier jour, est celui qui priait le plus sur moi. Il dit, ton musulman prie sur moi, les anges y prient sur lui, soit il prie peu ou beaucoup. On cite également parmi les vertus de cette prière l'absolution des péchés et des mauvaises actions et l'élévation des degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque prie sur moi une seule fois, Allah lui en rétribuera en 10 et lui absoudra 10 péchés, lui élevant 10 degrés. D'après Abu Talha al-Ansari, qu'Allah l'agrée, un matin, le prophète, salut bénédiction sur lui, se réveilla en si bon état d'âme et sur son visage se traçait la joie. Je l'interrogeai sur la cause de son état. Il me dit, Gabriel m'est venu de chez mon Seigneur, gloire à lui, et me dit, quiconque prie sur moi une seule fois, Allah lui en rétribuera en 10, et lui absoudera 10 péchés, lui élevant 10 degrés,
et il en recevra la réplique semblable. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent, d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Parmi les avantages de la prière sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on cite l'abri contre les soucis et l'absolution du péché. D'après Obay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai prié énormément sur toi. Combien dois-je te consacrer de mes prières? Il me répondit, ce que tu veux. Je dis, je t'en consacre le quart. Il me dit, ce que tu veux, et si tu en augmentes, il te sera mieux. Je lui dis, je t'en consacre la moitié. Il me dit, ce que tu veux, et si tu en augmentes, il te sera mieux. Je dis, je t'en consacre le deux tiers. Il me dit, ce que tu veux, et si tu en augmentes, il te sera mieux. Je dis, je te consacre toute ma prière. Il dit ainsi, tu seras à l'abri de tes soucis et tes péchés seront absous. On en cite également l'honneur qu'on reçoit lorsque le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, répond cette prière. Notre prophète, salut bénédiction sur lui, dit, Allah a des anges qui se baladent sur la terre pour m'informer de ceux qui prient sur moi. Il dit également, priez énormément sur moi, car Allah me désigna un ange près de ma tombe. Lorsqu'un de ma communauté prie sur moi, il me dit, Mohammed, tel fils, dit-il, de tel prie tout de suite sur toi. Sans doute les vertus de prière sur le maître des humains, notre prophète, salut bénédiction sur lui, sont innombrables dans une partie et manifeste, et une autre dépasse leur recensement. Seul celui qui en goûte la savoure, on connaît la nature et la bénédiction qui goûte connaîtra, qui connaît accédera, qui accédera arrivera à la sublimité. Il suffit pour celui qui s'engage de cette prière la sérénité, la quiétude de cœur, l'ouverture de poitrine et le goût de la saveur de foi. Le prophète, salut bénédiction sur lui, dit, goûtera la saveur de foi, celui qui agrée Allah pour Seigneur unique, agrée l'islam pour religieux et Mohammed pour messager. Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à notre maître Mohammed, à sa famille et tous ses compagnons, préserve notre Égypte et on élève le drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.